Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des Figures marquantes de l'histoire de Montréal. Donc, une série qui prend place dans le cadre des commémorations du 375e anniversaire de Montréal, une série qui est consacrée aux figures marquantes, aux grands personnages qui ont marqué cette grande cité québécoise dans toutes les sphères de l'activité humaine. Ce soir, il sera question d'un homme qui a marqué la scène politique montréalaise durant toute la seconde moitié du 20e siècle un homme vraiment marquant, Jean Drapeau. Jean Drapeau qui est né en 1916 dans le quartier Rosemont et qui est décédé en 1999. Jean Drapeau à qui les, Québé... à qui les Québécois, mais aussi les Montréalais doivent énormément. Ils le doivent bien sûr, comme on sait, la place des arts, on lui doit le métro de Montréal, on lui doit l'exposition universelle de 1967, les Jeux olympiques de 1976. On lui doit beaucoup de choses. Mais malgré tout ce legs, malgré cet héritage, son héritage reste controversé. Pour les uns, Jean Drapeau est un authentique visionnaire, un homme qui aurait mis Montréal sur la carte, qui en aurait fait une grande cité internationale. Pour les autres, c'est un chef politique autoritaire, un mégalomane qui a laissé beaucoup de dettes, un homme aussi autoritaire qui, aurait adopté, qui a adopté, comme on le sait, un règlement contre les manifestations en 1969. On se souvient que c'était une période assez trouble. Mais quel que soit le bilan que l'on fasse de l'ère drapeau, on s'entend en général sur deux choses. On s'entend sur le fait que c'était un homme extrêmement engagé, un homme très dévoué, qui a eu foi dans Montréal, qui a eu foi et qui s'y est vraiment consacré, corps et âme. On s'entend aussi sur ses qualités personnelles, son charisme son magnétisme, sa capacité à vendre ses projets. Je vous raconte une anecdote. Hein? Je vous raconte une anecdote qu'on viendra avec notre invité. Durant les années 60, il rencontre le premier ministre du Canada, Lester B. Person, pour lui convaincre d'aménager des îles en plein milieu du Saint-Laurent, qui serait le site d'Expo 67. Avant cette rencontre, le premier ministre du Canada euh, n'en revenait pas de cette proposition. Il dit « Le Canada, c'est quand même 4 millions de mille carrés et lui veut qu'on ajoute du territoire au milieu du Saint-Laurent. Et c'était le maire Drapeau. Mais il a fallu d'un repas pour convaincre le premier ministre du Canada de sortir son carnet de chèque et d'appuyer un tel projet. Des histoires comme celle-là, il y en a plein. Il y en a, il, y en a, il y en a énormément sur le maire Jean Drapeau. Pour nous parler donc de, de ce personnage euh, d'exception, on a invité un historien, un historien qui est spécialiste de la période contemporaine, is, is, spécialiste de l'histoire politique. C'est aussi quelqu'un qui œuvre dans l'administration municipale depuis plusieurs années, donc qui connaît un peu Montréal de l'intérieur. Je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Jean-Charles Panton. Bienvenue. Eric, merci. merci de me recevoir. Donc, Jean-Drapeau. Jean Drapeau, vous avez écrit un livre, votre, votre dernier livre porte sur le gouvernement Lévesque, vous avez écrit une biographie de Pierre Laporte, de Georges-Émile Lapalme, vous avez croisé Jean Drapeau dans toutes vos, vos recherches. Si on avait à résumer cet homme-là en un mot ou une expression, quelle serait-elle? En un mot, ça serait difficile, mais disons qu'on pourrait dire que Drapeau, ça correspond, le seul nom même de Jean Drapeau correspond à un âge d'or de Montréal. On peut indéniablement dire ça. On peut dire que Drapeau, ce sont de grands projets, ce sont aussi de, de grands événements internationaux qui ont été réalisés sous son administration. C'est un des, j'appelle toujours, je dis toujours, les colosses politiques de l'époque. On a Pierre-Élot Trudeau à Ottawa, on a René Lévesque à Québec et on a Jean Drapeau à Montréal. Donc, un, un colosse important du, du 20e siècle. Et dans, dans l'histoire des maires de Montréal, hein, y a, y a, on pense, euh, je veux dire, les gens, les, 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 les gens comme Médéric Martin ont été un peu oubliés. Camélien haut est resté, Jean Drapeau est resté. C'est un peu une sorte de. On pourra peut-être y revenir, pas ouais. pour les mêmes raisons. Alors, Camille Aoud, ouais. c'est un maire plutôt populiste, plutôt ouais. conservateur. Drapeau est conservateur aussi à sa façon, mais Drapeau, c'est autre chose. Drapeau, c'est. Il est issu d'une autre classe, une classe, la classe moyenne comme telle, alors que Camille Aoud, c'est plutôt la classe ouvrière avec tout, tout le discours populiste, comme je le mentionnais. Donc, c'est deux maires assez différents. Drapeau est là pendant 29 ans. Donc, il est là pendant que sept premiers ministres se succèdent à Ottawa et neuf se succèdent à Québec. Eh bien, il y a Jean Drapeau qui, lui, reste toujours en place à la mairie de Montréal. Donc, c'est une classe à Jean-Drapeau ouais, dans les mers ouais, de Montréal, c'est ouais. sûr. Alors justement, revenons un peu, euh, parlons des débuts, parlons de, 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 de l'homme, de ses origines. Euh, Situez-nous un peu Jean-Drapeau socialement et surtout sa famille. D'où de, de, vient-il euh, que, que, que genre de famille, dans quel genre de famille grandit-il? Jean Drapeau euh, va être élevé à Rosemont. Euh, D'ailleurs, il va y il va, il mourir. Donc, toute sa vie, il sera, il sera à Rosemont, dans le quartier de Rosemont. Bon, si on fait un petit retour dans le temps, Rosemont, à l'époque, est un quartier où on retrouve un certain nombre d'ouvriers qui, euh, qui travaillent à l'usine Angus, là, qui est maintenant le Technopole Angus. Euh, C'est une des plus grandes usines du Canada. Donc, il y a beaucoup d'ouvriers qui s'y retrouvent. Mais on trouve aussi beaucoup de la classe moyenne. Son père, Joseph Napoléon Drapeau, est quelqu'un qui est issu d'une classe de conditions plutôt modestes au départ. Mais c'est quelqu'un qui va se débrouiller, qui a beaucoup d'initiatives. Il va pratiquer entre autres, il va être courtier d'assurance, il va être agent immobilier, tout ça il va faire, avoir un certain succès. Ce qui fait que la famille Drapeau va être élevée dans une certaine, un certain confort comme mmh. tel. Euh, sa mère Berthe Martineau est une cantatrice dans ses jeunes années. Bon, évidemment une carrière professionnelle qu'elle devra abandonner lorsqu'elle va se marier avec Joseph Napoléon. Euh, et donc ça amène toutefois quand même tout le champ classique et tout l'aspect, cet aspect culturel là dans la vie familiale. C'est une femme qui qui chante souvent, c'est une femme qui est très heureuse et tout, et ça va avoir évidemment un impact sur, sur les enfants. Jean Drapeau va toujours toute sa vie aimer le chant classique, euh, aimer l'opéra, aimer la musique classique aussi, donc c'est quelque chose qui est une influence qui est très importante. Parlons euh, de ses idées. Oui. Euh, essayons de comprendre l'univers intellectuel de Jean Drapeau. Euh, je l'ai dit dans ma, dans ma présentation, il a été euh, souvent perçu, surtout par les gens qui, qui étaient de sensibilité de gauche, comme un homme autoritaire et tout ça, une conception particulière de la démocratie. Euh, quelles sont ses grandes influences? Hein? C'est quoi l'univers intellectuel de Jean Drapeau, qui va, qui va, les auteurs de référence? D'abord, replaçons un petit peu le contexte de l'entre-deux-guerres. Donc, il, est... <coughs> il suit ses cours dans les années 30 comme tel. Euh, les années 30 sont des années qui suivent une crise assez terrible, le crash, en fait, les années 30, ce sont des années de crise, ça suit le crash de 1929, et il y a toutes sortes de solutions un peu qu'on pourrait dire extrêmes qui se présentent euh, à l'époque, des, des solutions souvent de droite, comme le fascisme, le corporatisme, ce sont toutes des idées qui circulent beaucoup dans la société, pas juste au Québec, mais partout en Occident, des réponses que l'on tente de donner à la misère humaine, la misère que, à laquelle est confronté un grand nombre de de citoyens, de personnes, de travailleurs. Euh, Drapeau est donc dans cet univers-là assez conservateur comme tel. Euh, et, et, et il est influencé aussi par le nationalisme qui est très présent dans la société. C'est tout, tout à fait le nationalisme d'Henri Bourassa qui était là un peu plus avant. Le nationalisme d'Henri Bourassa étant un nationalisme plus canadien mm -hmm. comme tel. Euh, celui auquel il adhère plutôt, c'est celui de Lionel Gros. Lionel Gros, c'est plutôt un nationaliste qui, qui reprend le Canada français au centre même de tout. Euh, qui, qui en fait euh, établit un peu la, la, la mission singulière qu'a que, que le peuple canadien-français sur, sur cette terre comme telle et l'importance de préserver la culture, l'histoire de ce peuple-là. Il y a une vision très messianique hein, derrière tout ça qui, qui est très importante dans cette pensée-là. Et, et Jean Drapeau y adhère complètement. Il le dit. Euh, il, il, le dit il va même citer souvent le, le, le chanoine Lionel Gros. Il va fonder d'ailleurs une association euh, de, de la jeunesse catholique dans le, le quartier de Rosemont. Il va demander, il va se rendre même chez, chez le chanoine à Outremont, il va même lui demander de venir faire le discours d'introduction même de l'association lors de cette fondation-là. Et le, 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 le chanoine va accepter. Et c'est mm -hmm. le début à ce moment-là d'une très longue amitié entre, mm -hmm. entre Jean Drapeau et le chanoine Yannel Gros. Quand Yannel est décédé, c'était un des porteurs, je crois. Oui, de, oui exactement. D'ailleurs, euh, dans la biographie ici, on raconte que juste au moment d'inaugurer euh, Expo 67, Hein, la limousine se présente en face de la, de la résidence de Lionel Groux et on va visiter le site. Il est fier de montrer ça à son mentor. Parlons de la patente, euh, l'ordre Jacques Cartier. Alors, ses adversaires politiques l'ont présenté souvent comme un, un animateur, quelqu'un qui jouait un rôle important. Qu'est-ce que c'est la patente? Qu'est-ce que c'est l'ordre Jacques Cartier? Et pourquoi c'était agité un peu comme un épouvantail par ses adversaires? Bien, essentiellement, l'ordre de Jacques Cartier, c'était mis en place par des fonctionnaires fédéraux euh, qui trouvaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de place dans la fonction publique mmh. très anglophone d'Ottawa. Et donc, c'est un genre de groupe de pression qui, est de, qui demeurait secret, un peu comme à l'image des francs-maçons euh, et certaines associations de ce type-là. Euh, et, et ça regroupe ensuite beaucoup de, de Québécois qui vont se joindre à ça, et ça va s'élargir évidemment à l'Ontario et au Québec, disons, disons ça comme ça. Drapeau a toujours réfuté qu'il euh, avoir fait partie de l'ordre de Jacques Cartier parce qu'à une certaine époque, ça paraissait pas très bien euh, de par les secrets que pouvait, euh, que pou, qui pouvaient circuler à l'intérieur même de cet ordre-là. Les, euh, il y a une biographie de Jean Drapeau, de, de deux auteurs, Purcell et McKenna, qui euh, ont fait une recherche, entre autres, et ils ont interviewé quand même un certain nombre de personnes et ils ont établi que, d'après les témoignages qu'ils ont eus, qu'effectivement, Jean Drapeau avait suivi toute la, la, la cérémonie d'intronisation et qu'il en était bien membre. Mmh. Quant à son activité, euh, est-ce qu'il y a participé? Il y a participé un peu, mais ce n'était pas quand même quelqu'un qui, euh, qui était très actif au sein mmh. de, de l'Ordre de Jacques Cartier. Oui, mais vous dites qu'en 1942... Il euh, y, y a le député Fred Rose, là, communiste, euh, qui va dire qu'il faisait partie d'un complot. D'un complot de la patente? Oui, en fait, si on veut juste un petit retour rapide, ouais. Fred Rose, c'est donc un député communiste qui ouais. est élu, qui est à la Chambre des communes. Et, et Drapeau va l'attaquer euh, très durement, mm -hmm. Fred Rose. Il associe les communistes, en fait, le trait de communiste il de toutes sortes de choses. Il fait une véritable chasse aux sorcières autour de Fred Rose. Et c'est pour ça que, que Rose réplique de cette façon-là, comme telle. Euh, oui, il, il accuse de faire partie de la patente, il d'extrême droite, de s'inspirer de, des dictateurs européens, Franco, Salazar et compagnie. Donc, tout y passe. Mm -hmm. Oui. Et, et donc, Drapeau va le poursuivre en cours et il va mmh. gagner finalement. Ouais. Fred Rose va devoir se rétracter sur ce qu'il avait dit. Un gros 100$. Ça Un soit. gros 100$. Un hein, gros 100$. 100 euh, il, il commence sa carrière politique durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment durant la Deuxième Guerre mondiale qu'il entre en scène. Dans quel contexte, racontez-nous euh, ce contexte d'arrivée de Jean Drapeau? En 1940, Mackenzie King, qui est, le, le, ce, ce, ce qui est en élection, va, va promettre aux Canadiens de ne pas imposer la conscription obligatoire, donc l'enrôlement enroule, forcé euh, des, jeunes, des jeunes Canadiens. Et c'est ce qui va lui faire gagner l'élection. C'est ce que disent les observateurs et c'est ce que disent les analyses en général. En 1942, le, le contexte change beaucoup en Europe. La guerre ne se passe pas aussi bien qu'on voudrait. Et on manque de soldats parce qu'il bon, y en a eu plusieurs qui ont été malheureusement tués et tout. Et on a besoin de plus de, de soldats. Et, et Mackenzie King est obligé de... De regarder du côté de la solution de la conscription. Alors, ce qu'il choisit de faire, c'est qu'il choisit de faire un plébiscite, une sorte de référendum pancanadien, euh, pour demander à la population de le libérer de cet engagement-là qu'il avait pris en 1940. Mm -hmm. euh, et, et, et donc, voit ce, 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 ce plébiscite au lieu le 27 avril 1942, pour nous situer un peu dans le temps. Et euh, essentiellement, euh, ça amène une réaction très, très forte des milieux nationalistes québécois. Et même Henri Bourassa, qui était à sa retraite, va sortir de la retraite parce qu'il l'avait combattu aussi pour la, première, la construction de la Première Guerre mondiale. Il va ressortir de sa retraite, va prononcer des discours. Tout ça s'organise au sein de la Ligue pour la défense du Canada avec Maxime Raymond, qui est, un, qui est en fait un député ex-libéral à Ottawa. Et il va se joindre à ça toute une nouvelle génération de nationalistes qui sont très proches, dans les, très proches de Lionel Gros. On peut penser à Michel Chartrand, on peut penser à André Laurando et à Jean Drapeau, évidemment. Jean Drapeau va devenir, entre autres, le secrétaire de la Ligue pour la défense. Encore une fois, on voit qu'il a toujours cette, cette capacité-là d'organisateur, mm -hmm. Jean-Drapeau, comme il l'avait fait à l'université avec la Société des débats. Et donc, ça donne à ces gens-là un rôle de, de, de premier plan. Et là, il euh, y a le plébiscite. Oui. Et je, je, avant ou après, il y a une élection partielle. Donc, c'est après. C'est après, après c'est à l'automne 42. Peut-être juste oui. finir l'histoire sur le, le plébiscite. Essentiellement, la campagne fonctionne très, très bien. Oui. Euh, et si bien qu'au Québec, on se prononcera contre donc, la conscription à 71 alors que tout le reste du Canada, le Canada anglais, va se prononcer complètement en faveur, donc opposé, mmh. et ils seront à 66 Donc, d'un mmh. côté, le Québec à 71 et de l'autre côté, en position inverse. Le Canada anglais, 66 mm -hmm. Donc, on a un, un joli pays divisé mm -hmm. en deux. Si bien que le premier ministre va attendre, le premier ministre Mackenzie King va attendre avant de mettre en place, euh, avant de faire adopter mm -hmm. la loi de, de la conscription comme telle. Mm -hmm. Et donc, arrive cette élection complémentaire dans Outremont. Exactement. Alors, Mackenzie King se, se ramasse avec le résultat du plébiscite sur les mains. C'est quand même pas facile. De, de, de devoir gérer cette question-là. C'est très sensible. Alors, ce que je décide de faire, essentiellement, c'est qu'il décide de nommer un sous-ministre à la Défense, qui est le Major Léo Richer. Il décide de le nommer ministre de la Défense. Il décide de nommer un Québécois, donc, pour un peu plus, si vous voulez, faciliter mm -hmm. la mise en place de cette, de cette loi-là sur la conscription. Et donc, on lui, on veut lui trouver un comté sûr et on décide évidemment qu'Outremont sera le comté parfait pour faire ça. Euh, dans ce contexte-là le bloc populaire la ligue pour la défense du Canada bref raccourci mm -hmm. devient le bloc populaire canadien décide de ne pas présenter de candidat euh, et le parti conservateur non plus euh, Jean Drapeau, lui, de son côté, sollicite Lionel Grou et va solliciter les, les gens du Devoir, Gérard Filion et compagnie. Et euh, fort de l'appui de ces gens-là, va décider, lui, de se présenter comme candidat indépendant contre, mmh. euh, contre le candidat libéral Léo Richer. Et, et c'est là qu'il se fait connaître, on pourrait dire, du grand public. Oui, euh, il s'est fait connaître. On a fait un petit saut dans le temps, ouais. mais il s'est fait connaître lors d'un premier discours. Oui. Euh, pendant oui, la campagne. Rabroué par Henri Bourassa. En rabroué par Henri Bourassa. C'était une de ses premières fois. Où il subit un, un mouflet public. Euh, donc, on le connaît déjà un petit peu, son nom à travers tout mmh. ça. La campagne de conscription avait très bien été pour les nationalistes, ils avaient gagné très fortement, donc il, il en sort quand même avec un peu de prestige. Mais donc là, oui, c'est son premier pas, lui, tout seul comme candidat dans Outremont. Et donc, il fait une campagne où là, il se, il se déchaîne et là, il attaque de tous côtés. Il attaque mm -hmm. autant le CCF qu'il attaque euh, le Parti libéral euh, euh, lors de cette campagne-là. Mm -hmm. Mais il ne va pas gagner, sauf qu'il va quand même obtenir un nombre de voix assez respectable, plus de, près de 8000 voix, en fait, dans, mm -hmm. une, dans un bastion libéral. C'est un résultat qui est, somme toute, assez, assez solide. Et, 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 et ça on... lui donne, à ce moment-là, dans les milieux nationalistes, à tout le moins, déjà une bonne réputation. Une bonne réputation et on a l'impression que cette élection partielle va mobiliser. Hein, la classe politique de l'avenir. Hein. Pierre Trudeau va faire des discours. Euh, Absolument. Euh, Michel Chartrand, va être, je crois que son organisateur politique, c'est un drôle de duo d'ailleurs, hein, Jean Drapeau, Michel Chartrand, <laughs> dans une élection. Euh, Mais Il faut, alors, com il faut comprendre ouais. qu'en fait, que Drapeau et Chartrand militent au sein oui, du Bloc populaire canadien. Ouais, ça, ça. Par contre, Simone Monet-Chartrand, euh, qui est évidemment l'épouse de Michel Chartrand, elle dira plutôt qu'elle trouve que la, cette candidature-là de Drapeau est étrange parce que Drapeau, déjà à l'époque, dit qu'il est fait pour le et tout. Donc il indispose et dérange quand même ouais. des gens, une frange de ben justement, des alors, militants du alors, À ce moment-là, on a l'impression euh, que Jean Drapeau a des ambitions politiques disons, classiques et, et nationales. Hein? Il va se représenter, je crois, en 44. Ans. Alors, on a l'impression que pendant un certain moment, il a, il a bon, on le sait nous, ce qu'il va devenir, mais il va hésiter entre une carrière politique nationale québécoise ou une carrière euh, montréalaise? Oui. Donc, en 44, il va se présenter euh, cette fois-ci dans Jeanne-Mars. Il va se présenter comme candidat bloquiste. Euh, en 48, il va se représenter comme candidat indépendant, mais il ne fera pas toute la campagne. Il va s'arrêter en chemin. Il va, en fait... Euh, Démissionné, disons. Euh, oui, Jean Drapeau avait des aspirations importantes. En 58, il va même faire une tournée oui. euh, du Québec, il va faire quelques villes. Publier ce livre. Ouais, voilà. Jean Drapeau Excellent. vous parle. Jean Drapeau vous parle, tout à fait. Hein? C'est euh... un programme politique. C'est un programme politique très solide. C'est un programme politique qui est fort intéressant à lire, surtout pour ceux qui s'intéressent à la Révolution tranquille. Il parle de quoi, essentiellement, quelques grandes idées rapidement la modernisation d'éducation, mm -hmm. la nationalisation d'électricité, et il parle d'une révolution pacifique. Alors, on n'est pas très loin, disons, mm -hmm. des grandes de la révolution euh, tranquille que, que Jean Lesage va mettre en place deux ans plus tard. Mmh. Mais il n'y a pas de suite à ça. Il n'y a pas véritablement de suite. Il y aura un candidat qui va se présenter mmh. dans le coin du lac Saint-Jean, qui sera battu. Et ça, ça ralentit un peu les ardeurs. Ça, mmh. ça fait en sorte que Drapeau ne donnera pas suite, ne formera pas un parti provincial mmh. euh, national. Par contre, il faut dire qu'en 78, donc mmh. si on fait un petit saut dans le temps, en 78, après la démission de Robert Bourassa, le les libéraux vont contacter Jean Drapeau. Ils vont lui demander de se présenter comme chef euh, Drapeau répondra qu'il euh, le ferait peut-être, mais qu'il ne veut pas de course euh, à la direction. Mmh. Il veut être euh, comme couronné. Alors c'est pas tout à fait dans les traditions du Parti libéral et ça ne se fera pas. Et puis en 80, euh, c'est au tour de l'Union nationale cette fois-ci de le contacter pour qu'il devienne chef. Ouais en septembre 1980, et là non plus, le drapeau ne donnera pas suite à cette, cette offre-là. C'est vrai que là, se présenter Union nationale en 1980... C'est plus risqué, c'est plus risqué un Ça n'aurait pas ouais. été la, une belle ouais. fin de carrière. Ouais. Euh, allons tout de suite pour Montréal, le temps file. La commission Caron. Oui. Donc, il, il, il laisse de côté la, la politique en 1948, devient un avocat, va même se donner un petit coup de main pour la grève, la grève d'asbestos, oui. mais on passe là-dessus, on n'a oui. pas, pas beaucoup de temps. Arrive la commission Caron. Qu'est-ce que c'est, cette commission et pourquoi... Quel est son mandat? Et pourquoi va-t-il va jouer un rôle si important? En 1949, euh, l'adjoint du service de police, qui s'appelle... l'ancien adjoint, je devrais dire, qui s'appelle Pacific Plante, on l'appelle familièrement là, Pax Plant, euh, va fournir un certain nombre d'informations à un journaliste du Devoir, qui est Gérard Pelletier, euh, l'une des trois colombes, qui, qui sera l'une des trois colombes par la suite. Et euh, Pelletier va écrire une série d'articles qui s'appelle « Montréal sous le régime de la pègre ». Et on aborde dans tous ces articles-là euh, le jeu illicite euh, qu'on trouve à Montréal, la prostitution, mais surtout une espèce de corruption. Euh, en fait, lui, à l'époque, on dit une tolérance de la police envers toutes ces activités illicites-là, mmh. mais ce qui, ce qui induit en fait euh, aussi euh, la corruption. Et, et donc, euh, ces articles-là vont, vont faire scandale dans l'opinion publique, mais non seulement dans l'opinion publique, mais au niveau aussi de toutes les organisations catholiques qui vont décider de former un comité de moralité publique. Et ce comité de moralité publique-là va exiger qu'il y ait une commission d'enquête qui soit mise sur pied, euh, ce à quoi un juge va, 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 va donc accorder cette demande-là. Mm -hmm. Et, euh, et donc, on forme, on met à la tête de ça le juge François Caron, donc la commission Caron. Et on va nommer comme procureur public euh, Pacifique Plante, euh, qui est l'ancien ancien adjoint, comme je le mentionnais, du directeur, et Jean Drapeau. Et là, évidemment, euh, les gens se, se, tous les médias sont braqués sur ces travaux. C'est juteux. Donc, tous les travaux <laughs> oui. Sont, oui. sont braqués, suivis. Se, sont suivis mmh. par... Euh, je pense même que Lise Payette a fait un téléroman là-dessus, oui. euh, Montréal-Véloverte. Oui. Oui. Absolument. Euh, et donc, c est, c est, c est, tout le monde suit ça et ça donne une une extraordinaire visibilité à Jean-Drapeau comme procureur et c'est là qu'il se fait connaître véritablement euh, aux yeux de tous. Et en 1954, euh, le, le juge Caron va déposer en fait euh, un rapport à la suite de ses travaux, euh, un rapport qui étonnamment n'incrimine pas le, le politique, euh, n'incrimine pas les politiciens. Ah non, étonnamment, c'est ça. Étonnamment, oui. Étonnamment. <laughs> L'histoire se répète bon, parfois. Ouais, un petit peu, oui. Mais, euh, et donc, <laughs> ouais. et, et donc euh, en même temps, Camille Wood, qui est le maire de Montréal à cette époque-là, euh, a sondé de son côté un peu Maurice Duplessis, à savoir est-ce que j'aurais encore l'appui de la machine de l'Union nationale. Et Duplessis, ben, lui, a choisi un autre candidat. Il a choisi un sénateur, étonnamment, un sénateur libéral. Sartor Fournier euh, comme candidat, si bien que Camille Aude va décider, dans le contexte, dans ce contexte-là, de, de, en fait, de pas démissionner, de ne pas, pas se représenter, en fait. Voilà. voilà. Et, et, et Drapeau, lui, euh, choisit de faire le saut. Mmh. Euh, et de devenir candidat à la mairie. Il a derrière lui, il faut dire déjà l'appui la com du comité de moralité publique qui se transforme en ligue d'action civique, qui se transforme en parti euh, politique. C'est comme ses militants de base. On a oui. l'impression que c'est son parti politique. Absolument. Et, et d'ailleurs, le programme électoral, son premier programme électoral, contient un certain nombre de réformes importantes visant à combattre toute la question de la corruption. Mmh. Euh, donc, il se présente à la mairie en 1954. Euh, un mot peut-être sur les institutions politiques municipales de l'époque. Est-ce que le maire de Montréal a beaucoup de pouvoir? Ce n'est pas tout à fait les mêmes institutions plus tard. Le, le, système politique en 1954, le système politique montréalais en 1954 est très particulier parce que euh, le gouvernement Godbout, à l'époque, dans les années 1939, euh, mm -hmm. avait, avait fait des modifications importantes. Euh, il y a une partie du conseil municipal, un tiers des mm -hmm. conseillers qu'on appelle les conseillers de qui sont non élus mais qui sont nommés. Mm -hmm. euh, C'est très particulier. Donc un tiers, de, un bloc comme ça, mm -hmm. un tiers de, de, de conseillers qui... Qui échappent au pouvoir démocratique, qui sont en fait, qui viennent des milieux d'affaires, qui sont nommés par. Ou euh... syndicaux, on a parlé de, oui, de, de oui. Louis -la Berge qui a été. Euh... Oui, tout à fait, qui peuvent être. Oui, donc de, de corporations mm -hmm. ou d'associations comme mm -hmm. telles, mais qui n'ont pas été élus. Mm -hmm. C'est très, très particulier parce que ça, ça mm -hmm. ampute tout le processus démocratique. Donc on, on juge mm -hmm. ce système-là antidémocratique mm -hmm. carrément et on obsolète jusqu'à un certain point. Le maire a très, très peu de pouvoir parce que c'est principalement le président du comité exécutif à ce moment-là qui, mm -hmm. lui, gère très largement l'ensemble de l'administration euh, municipale. Mm -hmm. Et donc le maire a un rôle plutôt... Presque d'apparat. Presque d'apparat, ouais, ouais. qui, qui convenait peut-être à un homme comme Camélien Houde, mais pour un homme mais comme pas Jean Drapeau... un homme comme Jean non. effectivement. Alors donc, euh, il est élu en 1954, une, ma une majorité assez, euh, assez, assez forte quand même, euh, mais ce n'est pas un mandat très brillant. Euh, C'est pas... Il, il va pas euh, nécessairement se démarquer. Qu'est-ce qu'on va lui reprocher durant ce, ce premier mandat qui va durer trois ans mais comme je l'expliquais, en fait, il y a très très peu de marge pour le maire de Montréal dans ce système, euh, système politique-là présent à cette époque-là. Euh, ce qu'il lui laisse, c'est en fait, c'est qu'il prononce un, beaucoup de... Le drapeau va faire beaucoup de discours, va se, va se promener va, sur toutes sortes de sujets, des fêtes divers, toutes sortes de choses. C'est pas tout le temps lié non plus à la politique municipale. Il va faire des discours au Canada, au Québec, évidemment. Il va même se rendre en France. En France, il va faire une, une immense réception. Il va recevoir comme un véritable chef d'État. Ça va coûter une fortune, cette réception. Et là, les journalistes s'en mêlent. Et là, ça devient... On, on, il y a beaucoup de raillerie autour de ça. On n'apprécie pas tellement ça. Le maire, euh, je le dis, intervient sur différents sujets, mais il intervient aussi, par exemple, dans une élection partielle euh, contre un candidat, Frank Henley, qui est soutenu par l'Union nationale de Maurice Duplessis. Il intervient contre, il veut, il veut, il veut se battre contre ce candidat-là, il veut le faire battre, en fait, euh, ce qui indispose fortement Maurice Duplessis, qui est premier ministre du Québec. Mmh. Et c'est pas rien d'indisposer Maurice Duplessis, mmh. nécessairement. Donc, il, 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 il n'arrive pas nécessairement à imposer, à agenda. imposer son style ouais. véritablement. Ouais. Comme on le verra plus tard, il est plutôt pris dans un rôle qui ne lui convient pas, mm -hmm. pourrait-on dire. Il va proposer, entre autres, un projet de, de faire deux immenses euh, autoroutes euh, adjacentes au, au, au parc du Mont-Royal. Alors là, ça va être l'atelier général euh, mm -hmm. chez les citoyens, chez tout le monde, en disant que ce projet-là n'a pas de bon sens. Bref, ça ne se passe pas très, très bien. Sauf qu'il a un projet qui était un beau projet, je crois, mais avec le recul, euh, qui était un projet, je crois, la Cité des ondes ou la Cité des médias, qui était à l'endroit où se trouve à tout près d'ici euh, vous savez c'est HLM là le, le les habitations Jeanne Mans les habitations Jeanne Mans juste un peu à l'ouest d'ici hein, Voilà, à exactement. De la ouais. et là les habitations Jeanne Mans c'était le projet de l'Union nationale oui ben, alors, il faut comprendre que le maire bon avait déjà travaillé déjà sur un projet de place des arts donc euh, Plaçons ce morceau-là. Oui. Ensuite, lui, il voulait voir dans l'extension même de ce projet de place des arts-là, il voulait installer cette fameuse cité des ondes où on parlait même à l'époque, on, on disait il faut, re, faut relocaliser Radio-Canada. Donc, Radio-Canada pourrait s'installer là. Il va être contré dans ce projet-là par, euh, euh, par M. Dozois, qui est un conseiller au conseil municipal et qui, lui, veut plutôt construire, bien, en fait, vous le voyez maintenant, ce que, ce que sont aujourd'hui les habitations Jeanne-Mance, du logement social, en fait, raser un quartier de conditions difficiles pour en faire des habitations sociales. Euh, et, et, et en bout de ligne, il a l'appui aussi de Maurice Duplessis qui trouve une occasion dans ce projet-là de, de clouer le bec à ce maire qui, qui s'est mêlé d'ailleurs de politique provinciale. Alors, lui. Qu il l'avait défié à la grève d'asbestos. Et qui l'avait défié. On est passé ah, rapidement là-dessus, mais effectivement, hmm. il avait défié une première fois à la grève d'asbestos. Et donc, c'est l'occasion parfaite pour Maurice Duplessis de lui clouer le bec et de lui imposer le projet de, ce projet-là d'habitation. Et là de, arrive cette sociale. élection de 57 et ça va être une guerre de tranchées. Et là, il arrive cette, cette guerre de, de, de. Oui, cette, cette guerre en fait, cette élection qui est presque une guerre entre les forces unionistes, donc Sarto-Fournier, qui, candid... qui est le candidat à la mairie, défendu par Maurice Duplessis. Et, et Drapeau aussi, il faut le dire, part avec un petit recul. Hein. Il s'est des... pas fait des amis, ou non plus, avec des journalistes. Parce qu'une des mesures qu'il va mettre en place quand il arrive, c'est qu'il abolit... Il y avait des primes qui étaient, qui étaient données aux journalistes qui couvraient l'actualité municipale. Drapeau va les couper en arrivant. Il va rendre... Euh... Mmh. Il va indisposer beaucoup de journalistes. Alors, il est traqué, il est suivi par les journalistes. Ça ne se passe pas très, très bien. Il a en plus de, de, contre lui toute la machine de l'Union nationale. C'est une campagne électorale qui est très, très difficile. Il y a beaucoup de violence et il y a beaucoup de, de, de corruption dans le vote et compagnie. Voilà. Donc, mm -hmm. c'est très, très difficile. C'est si bien qu'il va perdre l'élection et c'est surtout Fournier qui va gagner. Mm -hmm. euh, en 57. Va... C'est ça. Donc, il perd cette élection de 57. Il a... il, 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 il jongle avec l'idée de... D'une candidature québécoise, on l'a vu à la fin des années 50, mais finalement, il revient au bercail et en 60, il se représente. Est-ce que c'est un, un nouvel homme qui se présente? Est-ce Qu'a-t-il qu est qu a, qu a appris de cette première expérience? -ce comment s'y prend-il pour mais... revenir au pouvoir et pour longtemps, pour 26 ans? Alors, comment s'y prend-il? Il faut dire qu'il faut juste peut-être replacer un peu le contexte. Donc en 60, 22 juin 1960, Jean Lesage est élu à Québec, mais fin au long régime de, de Maurice Duplessis. Euh, et et c'est une nouvelle période, une nouvelle ère, comme on, on le sait, c'est la Révolution tranquille, amène euh, la, la mise en place d'un État moderne avec beaucoup d'outils tout, donc en pleine expansion. Drapeau, lui, arrive à ce moment-là. Euh, la première chose qu'il va tenter de faire euh, rapidement, pas trop rentrer dans les détails, mais quand même, il veut, il veut modifier, il veut changer changer Le système politique municipal, mm -hmm. qu'il trouve archaïque. Entre autres, il veut l'abolition de, de, de ces fameux conseillers de classe C ouais. qui sont nommés, non pas élus. Donc, il veut faire un certain nombre de choses. Donc, il va envoyer un de son, son, son numéro 2, qui est Pierre Desmarais, il va l'envoyer à Québec, négocier pour tout ça dans le bureau du premier ministre, dans le bureau de Jean Lesage. Ça ne se passe pas très, très bien. Desmarais revient bredouille et puis obtient rien de, de Lesage. Alors, lui, Drapeau, décide d'aller à Québec, d'aller rencontrer Jean Lesage. Et là, il, il explique et il dit à Le Sage, ben écoute, si, tu, si vous ne modifiez pas, ne faites pas les amendements ou vous permettez pas de, que ces amendements-là amendements soient faits, bien moi je ne me présenterai tout simplement pas et vous aurez sur les bras euh, mmh. euh, un maire unioniste et une opposition unioniste dans la plus grande ville euh, du Québec. Mmh. Mmh. Ce que Le Sage ne veut pas. Alors Le Sage va obliger, obliger en fait pour l'élection de 1960, qui est aussi un référendum et mmh. qu'on consulte les Montréalais à savoir sur un ensemble de réformes, dont l'abolition des, des fameux conseillers mmh. en question. Et durant la campagne de 1960, il, il, il se passe des, des choses un peu spectaculaires. Hein? Il, il brandit des, des, des épouvantails. Euh, Racontez-nous un peu. C'est un épisode peut-être un peu moins glorieux de l'histoire, <laughs> mais bon, il faut... Hein, on a un devoir de mémoire comme historien. Euh, ouais, ouais. Alors, euh, en fait, ce qui arrive, c'est que la, 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 la veille même du jour de l'élection... Euh, le SAGE, accompagné de la police provinciale, évidemment, couvert par, bien couvert médiatiquement. Là, tu vois, les médias sont, sont utiles, ils apparaissent utiles. Mmh. Euh, il va, donc, ils font une descente dans un appartement où ils vont saisir un ensemble de plans, de documents, tout ça, et qui, qui démontrent qu'il y aurait une certaine corruption, un certain problème au niveau... On veut fausser, en fait, le vote par télégraphe, parce qu'à l'époque, on peut encore voter par télégraphe. Euh, et donc, euh, ça, ça fait tous les titres des journaux. Le jour même de l'élection, ça donne... ça, c'est un coup d'éclat incroyable. Et donc, ça, ça, ça influence inévitablement le vote et de façon importante. Euh, sauf qu'encore une fois, je reviens à McKenna mmh. et Purcell qui disent dans la biographie euh, avoir interrogé Lucien Saunier, qui était le bras droit, le numéro 2 de de, de Jean-Drapeau à cette époque-là et qui disent que essentiellement c'est un coup monté par les organisateurs même du parti de, de Jean-Drapeau. On a drapeau. voulu faire croire à un complot oui, à ou à un vol oui. d'élection. Oui. mais c'est -ce, -ce nous... une mise en scène. Oui, c'est tout à fait une mise en scène qui a été faite oui. et qui a fonctionné parce qu'il va obtenir une majorité. Et là, vous le mentionnez tout à l'heure, Eric, pour longtemps. Pour... Oui, oui, oui. Alors, une fois en place, il est là pour longtemps. Parlez-nous de la méthode drapeau. Notamment son rapport si particulier aux médias. Euh, oui, ça bien, a caractérisé et... un peu son règne. Oui, on peut peut-être juste ouvrir une petite parenthèse très rapide, si vous me permettez. Oui. Euh, en 60, il, il va laisser tomber la Ligue d'action civique. Il va choisir de fonder... Euh, le Parti civique de Montréal, il va s'allier donc à Lucien Saunier qui va le suivre tout au long des années 60. Et, et, et beaucoup d'observateurs à cette époque-là disent, donc il laisse tomber tous ses anciens collaborateurs et tout. Disent, disent ben, ça ressemble beaucoup à un club privé, ce club-là. Je dis ça parce que ça dénote beaucoup la personnalité de Drapeau, qui était assez autoritaire. Et, bon. et, et Drapeau avait cette, cette phrase quand on lui parlait justement de ce nouveau parti il disait, ben, plutôt, ça ressemble plutôt comme un, un club privé. Ben, il y avait cette réponse-là. Souvent, il disait quelque chose. Il disait, ben, en fait, la porte d'entrée euh, est étroite, mais la sortie est grande. Donc, c'était sa définition de son parti comme tel. Donc, ça faisait bien son affaire. Il avait besoin d'un parti pour organiser en temps d'élection tout ça, mais il n'y avait certainement pas besoin de gens pour lui dire quoi faire et mmh. quoi, quoi penser, disons, dans l'orientation générale. Mmh. La méthode Drapeau, bien, essentiellement, Jean Drapeau, c'est un homme qui était un travailleur infatigable. C'est quelqu'un qui se lève, qui dormait à peine 5 heures par, par nuit, qui se lève très, très tôt. Euh, c'est quelqu'un qui est dédié complètement, passionné par, par la ville de Montréal. Ça, on ne peut, peut pas le nier. C'est quelqu'un qui, souvent, soit lui-même au volant de sa voiture ou euh, avec son conducteur, s'illonnait les rues de Montréal et essayait de trouver tout ce qui ne fonctionnait pas, les problèmes et tout, et qui ramenait tout ça à l'hôtel de ville. Je pense que le maire Bourque, d'ailleurs, faisait un peu la même chose par la suite, inspiré justement par Drapeau, et, et donc faisait faire les corrections par ses directeurs de service. Et donc, c'est un genre de Drapeau qui est assez différent de celui de 1954. Et, 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 et donc, et au niveau des médias, ben là, on voit tout le côté autoritaire de drapeau, c'est-à-dire qu'il ne jouera plus le jeu des médias, c'est-à-dire que c'est lui qui va choisir les moments où il va, inter... en fait, il va interpeller les médias sur des questions très précises. Il ne pas être en contact souvent avec les médias, les journalistes. Ça ne l'intéresse pas. Donc, là, il n'y a pas beaucoup de scrum avec Jean Drapeau. Pas de beaucoup rapport. de scrum avec Jean Drapeau. Non. Et, et, et quand, il, quand il parlait aux médias, c'est évidemment parce qu'il y avait quelque chose, un point précis, un projet, quelque chose à, à faire passer comme tel. Il va, l'anecdote aussi peut-être intéressante, c'est que de temps en temps, il pouvait prendre le téléphone et appeler les caricaturistes pour leur proposer des thèmes, en mmh. leur disant « Ah, tu pourrais me faire un petit dessin sur telle question et tout ». Euh, et puis ça a donné des dessins assez exceptionnels. On, on pense à, entre autres à Girard là, qui a fait des choses oui. assez intéressantes dans les Ce qui est, ce qui est la intéressant pratique. aussi, corrigez-moi, mais il a animé une émission, hein, je crois, en direct. Il recevait les questions des auditeurs tous les dimanches. Oui, un, ça ressemble un petit peu à ce qu'un autre maire a fait. Plus, oui, ouais, oui c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais c'est une façon aussi de court-circuiter oui, euh, les médias. C'est-à-dire qu'il s'adressait directement au, oui. au public oui. en oui. répondant à leurs questions. Toujours, toujours. Donc, c est, c est, c est ce, cette méfiance euh, qui est héritée de 1954 là, et de, des campagnes, entre autres plus précisément de 1957, il va l'avoir jusqu'à la fin de sa carrière mm -hmm. politique. Mm -hmm. Il ne fait pas confiance aux, aux médias mm -hmm. du, tout, du tout. Il disait je ne réponds jamais à des questions questions euh, hypothétique etc voilà. euh, quelles sont les grandes priorités du maire drapeau durant les années 60 Lorsqu'il qu'il arrive en poste quelles sont ses priorités ben il, il y a beaucoup de travaux de modernisation. Quand il arrive en 1960, il faut aussi comprendre que Montréal, entre, entre autres, le centre-ville est en pleine explosion. On, est en, on commence la construction de la place Ville-Marie. On a tout, plusieurs édifices autour la place Bonaventure est là. Les travaux ont commencé aussi à la place des Arts. Euh, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place au centre-ville. La ville se modernise, si on peut dire, euh, si on peut, si on associe les gratte-ciels à la modernisation, ben oui, Montréal et euh, le centre-ville, entre autres, est en train de se moderniser. Donc lui, euh, quand, quand il s'est associé euh, à Lucie, Merci. Euh euh, Saunier, euh, essentiellement, euh, Saunier défendait le projet, le projet d'un métro. c'est très, très important pour lui. C'est lui qui l'amène. Euh, et, et donc, Drapeau le met dans le programme. Et donc, ça, c'est un des grands projets mm -hmm. euh, de construire un métro qui soit moderne, efficace et tout euh, à Montréal. Euh, plusieurs projets autoroutiers, dont l'autoroute le, le, des Carri en tranchée, euh, six voies. Euh, on est à l'époque de la voiture. On est à l'époque où il y a des problèmes automobiles, de circulation mm -hmm. automobile important. Mm -hmm. Ça semble être un problème contemporain. Ouais. Et, et, et donc, là, euh, on, on, Là, on va construire beaucoup beaucoup d'autoroutes au centre-ville, parfois en cicatrisant le centre-ville. Mmh. Euh, le métro, euh, c'est quand même exceptionnel. Là, on voit là qu'on on a confié à la Caisse de dépôt le projet. En fait, c'est la Caisse de dépôt qui est en train de financer un projet de, de train là, pour la oui, fait. Mais là, quand on pense <coughs> à, ce, à ce métro de Montréal, là, qui en quelques années, ça prend en forme, tout ça est fait par l'administration montréalaise. Une petite peut-être oui. une petite nuance à apporter. Oui. C'est fait par un bureau, en fait. Le bureau de réalisation de ce métro-là se fait par ce bureau-là qui est dirigé par Lucien Lallier. Euh, essentiellement parce qu'on veut justement éviter toute la lourdeur administrative de la ville. On l'a mis dans un bureau à part euh, qui, évidemment, a tout l'appui politique solide de, 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 de Drapeau et de Saunier, c'est sûr et certain. Oui. Mm -hmm. Alors, c'est ce qui a permis de réaliser et de le faire. Le choix aussi, le, le choix, le type de métro qu'on a choisi facilite aussi la construction, entre autres, dans le sol, dans le roc montréalais. Mm -hmm. On a choisi une technologie française sur pneumatique, oui. alors qu'on n'a pas choisi, bon, dont le gabarit est beaucoup plus petit comme tel, contrairement à plutôt des métros euh, qui sont euh, roues d'acier sur, sur rail. Euh, tout ça fait en sorte que ces choix-là qui ont été faits sont judicieux, sont même économiques dans certains cas et vont permettre de réaliser euh, assez rapidement le, le, le métro. Le, oui. le réseau initial qui sera de 26 stations... 26 stations en 20, 4 ans. Voilà. Ouais. En quatre ans, c'est ouais. quand même incroyable. 22 kilomètres de couloir. Il n'y a pas de eu de commission d'enquête sur, je sais pas moi, euh, le, le crime organisé qui aurait pris 20 une cote et tout ça. Ça s'est passé. Non, et, et même, on a donné les contrats à, plusieurs, à, à des entrepreneurs différents pour différents aspects de la réalisation. Et, et ça fait même en sorte que ça, ce projet-là de, de construction s'est fait à coût moindre que prévu. À coût moindre. Ouais. Il y aura d'autres projets. On a le droit ce à, ce sera... à la nostalgie. Ce soir. Expo 67, euh, est-ce est que c'est fait à coût coup... moindre? Non, ça, ça s'est pas fait déjà à coût moindre. <laughs> déjà, il y avait des bonnes habitudes. Il y a un peu d'inflation. Mais, mais euh, est-ce que quand il arrive en 60, ce projet est dans les cartons? Est-ce que c'est quelque chose où c'est vraiment son initiative? C'est lui qui fait... Euh la différence Les précédents maires, euh, Sarto Fournier et Camilien Houd, ont voulu amener l'Expo 67, comme d'ailleurs ils voudront amener ils ont voulu aussi travailler un peu les Jeux Olympiques. Ça, c'est les grands événements qui faisaient rêver beaucoup les élus mm -hmm. à cette époque-là. Euh, mais Drapeau, lui, euh, à la différence des deux précédents, va réussir à, va réussir à, à, à face au désistement. Euh, euh, Soudain de, de Moscou va réussir à amener tout ça, euh, amener l'Expo universelle euh, en 1967 à Montréal. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est un homme de terrain, hein? il oui. voit les petits défauts de Montréal, puis il rapporte ça. Puis en même temps, il développe un réseau international, il, il, il est à tu et à toi avec des personnalités importantes pour influencer des décisions comme celle-là. Euh, oui. Donc, un, un mot sur, sur De Gaulle. Alors, l'Expo 67, c'est l'avenue des grands chefs d'État. Jean Drapeau, on, on le voit avec la technologie des pneumatiques, avec euh, Roger taillibert, plus tard, il a un faible, on pourrait dire, pour la, le génie français. Oui. C'est un francophile. Oui. Il aime beaucoup la France. Oui. Il admire le général de Gaulle. Oui, l'homme du 18 juin, l'appel du 18 juin. Mais hein. là, ce discours, comment réagit-il au Vivre le Québec libre? On, on a cette histoire de micro, là, mais racontez-nous. C'est qu'il est, bon, d'ailleurs, il accompagne sur le, le fameux balcon, là. Il est, il est aux côtés du général quand, quand le général lance son fameux Vive le Québec libre. Euh, et là, il est, il est très mal pris parce qu'il sait très, très bien que, et à Québec et à Ottawa, qui sont ces bailleurs de fonds d'Expo 67, euh, euh, seront pas, ne seront pas contents. Et donc... Euh, ceux qui ont financé son île, là? Ceux qui ont tout financé, hein, <laughs> Parce qu'il faut dire, on pourrait, on pourrait, il y aurait ouais. beaucoup de choses à dire, ouais, mais ouais, ouais. disons que Expo 67, c'est aussi, près, plus de 500 millions d'investissements de la part de Québec mmh. à Montréal pour toutes sortes de projets, mmh. des autoroutes, tout ça. Donc, c'est donc, énorme pour l'époque, les sommes qui sont investies là-dedans. Euh, mais donc, il, bon, c'est pas, pas facile. Il sait pas trop sur quel pied danser. Euh, 48 heures après, il y a un, un dîner qui est organisé, le dîner ouais. qui est organisé pour le général de Gaulle. Et là, c'est là qu'il va, il va danser sur plus Plusieurs, plusieurs pieds en même temps. Il va, d'une part, commencer son discours en disant euh, euh, la réaction qu'on a sentie dans les milieux nationalistes, il s'en euh, est nommé, c'est pas, une, une, pas de l'émotion, c'est pas de la nostalgie que ressentent ces gens-là envers la France, parce que ça fait plus de 200 ans que vous, que vous nous avez abandonnés ou que vous n'êtes plus avec nous. Euh, alors ça, c'est la partie plus négative. Et puis il va se faufiler en habile orateur qu'il est pour dire que, somme toute, euh, il y a longtemps qu'un chef d'État français s'est intéressé autant au Québec que le général de Gaulle en espérant que tout ça donnera quelque chose. Ouais. Et que... On ne sera pas déçu en bout de ligne. Donc, il fait de l'acrobatie. Le discours en tant que tel, ben, la structure même du texte est fort intéressante à, à lire et à regarder parce que. Il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs couches <laughs> ouais, et, ouais. et, et, et ouais. il tente de, de, de satisfaire autant le gouvernement du Québec, euh, Ottawa, que, que, que ne pas non plus froisser le général de Gaulle et pour et qui temps, il a une très grande admiration. Voilà, et en même temps de combiner son adhésion au Canada, mais son nationalisme canadien-français et tout ça. Hein, voilà, aussi. oui, tout à fait. Alors, un petit saut dans le temps, 1969, ce fameux règlement contre les manifestations. Là, il faut voir qu'au tournant des années 70, on a l'impression que ça s'embrase, hein, qu'il y a beaucoup de manifestations, qu'il y a beaucoup d'affrontements, euh, il y a une jeunesse qui entre en scène, euh, Jean-Drapeau. Euh... Comment réagit-il? Comment voit-il? Comment perçoit-il tous ces événements? Mais 69, en fait, c'est peut-être le préambule oui. aux, aux événements d'octobre de, de 70. Euh, oui, il y a beaucoup de manifestations, il y en a plus d'une centaine dans l'année 69. Euh, ça vient autant de, 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 de groupes de gauche, ça vient autant de, de, des nationalistes, ça vient mm -hmm. autant des étudiants, euh, Miguel Français, etc. Tout ça, il y a même à un moment donné, une bombe qui va exploser à proximité de sa maison, de la maison familiale. Oui. Oui. Euh, donc, ça crée beaucoup d'incertitudes chez lui, ça, ça l'atteint directement. Restaurant. Ça, son propre restaurant aussi, le, le vaisseau d'art. Ouais. Euh, et donc, ça crée chez lui, ça l'atteint donc personnellement, ça crée chez lui une, beaucoup d'incertitudes, tous ces événements-là. Et, et donc, euh, en plus, le 7 octobre 69, les policiers et les pompiers vont décider de débrayer euh, pendant, pendant une journée complète et une nuit aussi complète. Et c'était avant et, la loi des services essentiels? C'était avant la loi des services essentiels. Et donc, il n'y a pas de service, il n'y a aucun policier sur le terrain. Et donc la nuit du 7 octobre au 8 octobre, alors là, Montréal, c'est l'anarchie totale, des, des centaines de vitrines brisées, on parle de 455 ou 456 vols, littéralement, de magasins, de boutiques et tout. Il y a même un mort à un moment donné euh, à travers cette nuit-là, donc c'est l'anarchie complète. Ça, ça dresse la table un petit peu, comme je le disais, pour le, les années 70 et tout. Drapeau lui réagira essentiellement euh, en, en passant un, un règlement euh, interdisant les, les manifestations comme telles. Ça aussi, on pourrait, ça nous rappelle euh, ouais, d'autres événements ouais. plus contemporains. Mmh. Euh, et donc euh, en 70, là, on est dans ce contexte d'ébullition-là, on mmh. est dans cette dans cet état-là. Il y a aussi le FLQ, euh, donc les enlèvements, on le sait et la fameuse crise d'octobre 70. Est-ce que c'est euh... -ce est lui qui souhaitait l'armée à Montréal? Bien, Drapeau, oui, a demandé l'armée. Euh, Drapeau n'a pas confiance en sa police. Hein. Comme je l'expliquais, il est en négociation sur. Oui. Bon, on peut rentrer dans les détails. Pour les cases de retraite et tout ça, c'est pour ça que ça se passe très très mal avec les policiers. Donc en 70, il n'a pas confiance dans les forces policières montréalaises. C'est pourquoi il demande l'intervention de l'armée. Il demande que l'ordre soit rétabli. Il faut se rappeler que Drapeau, on l'a dit, c'est un conservateur, c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui croit en l'autorité. Et donc pour lui, il est tout à fait normal de faire appel à l'armée. Et donc il fait pression sur Ottawa pour. Pour que l'armée intervienne. Et, et ce, qui est, ce, qui est, ce qui est paradoxal ou en fait un peu même tragique à la limite, c'est qu'on est en campagne électorale municipale oui, en octobre voilà, 70. Voilà. On va le tout ça. Absolument, on est en pleine crise d'octobre. Donc, dans la nuit du 16 au 17 octobre, c'est la loi des mesures de guerre. L'armée va entrer au Québec. On est pendant ce temps-là Montréal en campagne électorale. D'ailleurs, il, il est confronté à un parti d'opposition qui est le FRAP, le Front d'action politique dont plusieurs euh, candidats vont être arrêtés, vont être envoyés mmh. en prison avec les 470 autres mmh. là, qui sont arrêtés à ce moment-là, artistes et, et nationalistes mmh. et tout autre. Et ça, donc, ça, ça crée donc un contexte incroyable. Et Drapeau va en rajouter une couche en, en accusant donc les gens du FRAB, de ses, ses adversaires politiques, en les accusant d'être des anarchistes, des communistes, de, de, de vouloir renverser la démocratie, de verser le sang, etc., etc. Il va y aller très, très fort. Il va presque soutenir cette thèse du complot hein, qui avait qui a été développé par la suite. Là, vous oui, voyez, il y a eu oui, cette conférence fait. de presse du 14 octobre, je crois, avec les chefs syndicaux, René Lévesque. Il va Claude soutenir, Ryan, du devoir, euh, devoir, qui était hein. là aussi. Claude Ryan, le grand complotiste. Là. Donc, il va, il va soutenir cette thèse euh, grand comploteur, plutôt, euh, il, va, il, va, il va soutenir cette. D'un gouvernement qui se préparait, là, qui était prêt à un prendre. gouvernement le parallèle voilà, qui allait renverser euh, le gouvernement Bourassa qui était en poste à Québec. Oui, effectivement. Mais en fait, ça va exactement dans sa stratégie politique, dans mm. sa campagne électorale, en fait. Mm. Et, et puis, ça va marcher. Ça, il va obtenir de, de très, très bons résultats. Il va avoir, en fait, les 52 sièges. Donc, mm. il n'y aura pas d'opposition du tout. Il va avoir 52 <laughs> sièges à lui au Conseil. Le Conseil est complètement sous sa. Euh, sous sa botte. Sous sa botte. <laughs> Parlons de 1976. Alors, on a commencé avec euh, le métro qui était euh, moins cher que prévu, Expo 67, et là, on arrive à... aux Jeux olympiques. Euh, là aussi, euh, on, on, oui, on a, on a ce, ce bilan, ce passif lourd, mais euh, il a été déterminant dans l'obtention des Jeux. Absolument. Absolument, encore une fois, euh, drapeau et, et contrairement aux autres maires qui avaient aussi tenté, va réussir là où les autres n'avaient pas réussi, va obtenir les jeux. Euh, et, et ça va se faire euh, euh, à partir du moment où il obtient les jeux. En fait, le maire ne travaille que sur pratiquement ce projet-là. On dit à tel point qu'il y a une élection municipale en 74 et il va presque oublier l'élection municipale parce qu'il est... Y est... Il est pris complètement absorbé par, absorbé par ce projet-là de, 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 de Jeux olympiques comme tel. Euh, il va choisir, euh, encore une fois, il se tourne vers la France pour le, oui. le concept. Il aime bien ce qui a été con... le fameux stade qu'il construit, là, le Parc des Princes à Paris. Il aime bien ce, ce stade-là. Il aime bien l'architecture. D'ailleurs, quand on regarde les deux, on voit bien qu'il y a une mm. famille. C'est fait par, euh, par M. Taibert. Un, un architecte français. Donc, il va. Qu'on va... surnommait alors le Michel-Ange du béton. Le Michel-Ange du béton. Ah, tu vois, je quelque, <laughs> chose, je quelque chose. Et donc, euh, et donc, le maire a choisi le concept architectural, a choisi ouais. l'architecte et tout. Et puis, il va présenter, je pense que c'est en 72, où il présente le premier concept et tout. Euh, mais, mais malheureusement, bon, le concept, vous le connaissez, tout le monde connaît le stade maintenant. Malheureusement, il y aura plusieurs problèmes dans le dossier du stade, notamment la qualité des sols au départ. On a mal évalué la qualité des sols pour soutenir un bâtiment aussi lourd, aussi immense. Il faut injecter du béton dans le sol pour le, le solidifier comme tel. Euh, on a des problèmes avec les plans. Les plans n'arrivent pas. La firme québécoise qui était mandatée pour le faire n'y arrive pas. Et donc... Deux ans avant les Jeux, en 74, il n'y a pratiquement rien qui a levé de terre. On est encore au niveau des fondations. Euh, et en 75, donc, Bourassa, un peu inquiet, Robert Bourassa, euh, va convoquer Jean Drapeau à Québec pour qu'il vienne euh, présenter aux élus québécois euh, où en sont les choses et peut-être pour les rassurer. Alors, Drapeau va arriver là, évidemment, comme il le fait si bien dans ses présentations, il est très convaincant, il se veut très convaincant et tout. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens autour qui ne croient pas qu'il va y parvenir, qu'il va arriver à finaliser les travaux dans les temps nécessaires. Si bien qu'en novembre 1975, on va créer la régie des installations olympiques et on va retirer la gestion des travaux. À la Ville de Montréal. et on va, Donc, c'est la régie qui va s'en occuper. Et là, et là, on change de rythme complètement. On va abandonner un certain nombre de choses qui avaient été prévues dans le plan initial. Le Mans, entre autres, ne sera pas. On ne fera que le nécessaire, ce qui est nécessaire pour que les jeux se déroulent bien. Et, et là, on va travailler jour et nuit. Et on va finalement réussir à, à présenter les installations Olympiques à temps là, pour, pour les jeux comme tel Mais on est passé très, très proche d'une immense catastrophe. Et, et sans compter les coûts, parce que quand Drapeau va en 1975 à Québec, on est déjà rendu à 580 millions. On avait prévu 300 millions. Au départ. On est rendu à 580, ça ne s'arrêtera pas là. Ça va, ça va totaliser 1,4 milliard finalement. Ce projet-là. Donc, on se ramène en 76, c'est gigantesque comme somme. Euh, et, et donc, on dit que bon, drapeau aura un moment de gloire en hissant le drapeau euh, au sein même de, du Stade olympique, euh, mais que ce sera à peu près le seul moment où il aura. Euh, parce qu'en 76, 15 novembre 76, une date importante dans l'histoire mmh. du Québec, le gouvernement Lévesque est élu et rapidement, le gouvernement Lévesque va mettre en place un, une commission d'enquête qui va être euh, menée par le juge Malouf. Et dont les conclusions vont sortir en 80, et les conclusions vont être dévastatrices pour pour le Vert mmh. Drapeau. Mmh. Ça va d'ailleurs euh, lui faire perdre euh, cette invincibilité électorale mmh. qu'on lui euh, qu'on lui donnait auparavant. Alors il y a ces grands projets, euh, métro, Expo, Jeux Olympiques, mais euh, en même temps que tous ces projets prennent forme, on lui reproche de négliger l'économie de Montréal. On lui reproche euh, euh, le fait que Montréal va peu à peu euh, traîner de la patte comparativement à une ville comme Toronto, est-ce que ces critiques-là sont fondées Il y en a d'autres. Hein? La ville Centre va, euh, enfin, c'est un peu se dépeupler, va aller en deçà du 1 million, beaucoup de gens vont en banlieue. Est-ce que, est -ce que ces griefs sont fondés euh... ce, ce serait exagéré de, de mettre sur le dos Jean Drapeau le, le fait que Montréal n'est plus la capitale. Euh, financière, économique du Canada, la métropole en fait, économique et financière. Parce que ce mouvement-là a commencé dans les années 30. Euh, déjà, euh, l'activité boursière est beaucoup plus importante dans les années 30. À Toronto, euh, les années suivantes, les décennies suivantes voient partir un certain nombre de sièges sociaux qui vont se diriger vers... Euh, vers Toronto, la population, la, la courbe démographique aussi est beaucoup plus importante à Toronto en 76. Donc Toronto, la population de Toronto dépasse celle de Montréal. Euh, donc de, de dire que Jean Drapeau en est responsable, on peut pas véritablement dire ça. Ce qu'on peut peut-être dire plus particulièrement, et les critiques sont, sont assez sévères là-dessus, c'est sur son bilan, euh, sur les questions sociales en matière d'habitation, en matière euh, euh, Montréal est une ville euh, où le taux de chômage est très très élevé, euh, où euh, le taux de mortalité infantile est très très élevé dans plusieurs Quartier défavorisé, beaucoup plus élevé que, que la moyenne canadienne. Euh, ça, ce sont des données qui sont très, très importantes en matière aussi environnementale. Drapeau n'a pas travaillé. Donc, on rejette toujours, euh, en 86-87, on rejette toujours les eaux usées carrément mmh. dans. Dans, dans le fleuve. Donc sur ces questions-là, sociales et environnementales-là, drapeau, on en a peut-être fait un peu moins. Et c'est là-dessus que des groupes comme le Front d'action politique le frappent et plus tard le RCM vont, vont l'attaquer. La question des quartiers aussi, hein? peut-être le, le, le fait que les quartiers étaient un peu laissé à eux-mêmes, où il n'y avait pas de... Essentiellement, les quartiers centraux, hein, quand, quand on fait des autoroutes en tranchée, particulièrement mmh. euh, l'autoroute Ville-Marie, on va, on va aussi amener Radio-Canada, tout ça. On, donc, mmh. on rase une bonne partie du Faubourg-Amelas. Euh, tous ces projets-là vont, vont déstructurer plusieurs mmh. quartiers centraux. Et donc, euh, oui, ça amène... Euh, ça... Ça déconstruit une ville dans certains quartiers. Oui, ça, ça a des effets durables qui sont... Euh, On a l'impression que l'arrivée d'Yvon Lamarre comme président du comité exécutif en 78 va donner un petit coup de barre, que ça va justement peut-être aider Jean Drapeau à se recentrer sur ses enjeux. Est-ce que c'est est le cas? Oui, c'est le cas. Euh, on peut dire aussi que, que, que la mare était dans les fins posées par les milieux d'affaires mmh. euh, qui vont dire à drapeau, si tu n'acceptes pas la mare dans ton équipe, tu n'en fais pas ton président de conseil, de comité exécutif, euh, on ne t'appuiera pas. Parce que déjà, euh, le projet euh, olympique étant... Ayant coûté 1,4 milliard de dollars, ce qui est immense. Il y a toute, toute cette question financière-là qui est très importante pour les gens d'affaires, qui ont vu aussi, il faut le dire, on n'en parle pas, mais ça pourrait être l'objet aussi de notre discussion, mais tout le fardeau fiscal mm. des Montréalais et des commerces qui s'est mm. considérablement alourdi mm. mm. avec toutes ces dettes-là à payer euh, en partie, parce que Québec en prendra aussi une partie. Mais, mais la mort est imposée donc par les milieux d'affaires. Et oui, la mort a une conscience sociale. Et, et d'ailleurs, le programme électoral va changer de nature. On n'est plus euh, dans les années 80 sur de, de grands projets, de de grands événements. On aura les Floréliens en 80, mais, mais ça n'a rien de comparable avec, euh, mm -hmm. avec l'Expo 67 ou les Jeux olympiques. On est plutôt euh, dans des projets qui sont, qui sont euh, d'habitation, par exemple, 20 000 opérations, 20 000 logements. Mm -hmm. On est dans des opérations de revitalisation d'artères commerciales. Euh, C'est plutôt vers ça que, que, que le programme tend mm -hmm. comme tel. Et oui, la nature même des interventions mm -hmm. euh, va, va changer considérablement. Alors, racontez-nous, euh, on a quelques minutes, euh, le contexte de départ de Jean Drapeau. Il quitte en 1986. Quel contexte? Bien, déjà, en 82, euh, on peut dire que, que Jean Drapeau a, a des ennuis de santé. Donc, euh, ça commence en 82. En 86, bien, il, y a, il, y a une, il y a un problème de santé important, une attaque comme telle. Euh, il tombe dans, dans, dans le garage alors qu'il se rend à sa, sa voiture et tout. Et donc, là, il est très, très affaibli. Et, et, et là, il, il n'a pas d'autre choix que, 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 que de... En fait, que de... Que de, quitter, que de quitter la politique. Il le fait à contre-cœur, il le fait presque le cœur brisé. Quand il l'annoncera, il le fait, dit-il, à l'ombre de ses pyramides, parce que c'était toujours à lui, c'était ma ville, c'était mes pyramides, c'était mes Olympiques et tout. Et il va le faire à l'ombre de ces pyramides olympiques-là. Il va le faire le, le cœur brisé, il va, il va littéralement pleurer Jean-Drapeau quand il va annoncer qu qu'il quitte, qu doit quitter la vie politique. Il le fait, le fait à regret. Mm -hmm. euh... Par la suite, euh, il, sera, il aura une nomination, il va, il va être... Euh... Par la suite, il va être nommé par son ami Brian Mulroney, qui est premier ministre du Canada, ambassadeur à l'UNESCO jusqu'en 91, mm -hmm. donc de 86 à 91, donc il va jouer un rôle là. Et puis, euh, et puis Jean Drapeau, ben, va, il va mourir en 1999, mm -hmm. euh, entouré de, de sa famille euh, dans, sa, dans sa maison de Rosemont. Mm -hmm. ouais. euh, Qu'est-ce qu'on qu qu doit retenir de ce long règne, selon vous, de, de Jean Drapeau? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Bien, on doit retenir de Jean Drapeau que c'était, on peut dire, un idéaliste. Euh, on peut dire que c'est un bâtisseur aussi, Jean Drapeau. On peut dire qu'il a en fait réussi à faire passer Montréal, cette ville sulfureuse, au, mmh. au, au bars illicites euh, ou à la prostitution au jeu Il a réussi à faire passer Montréal avec cette réputation un peu enviable là, disons. Euh, à une ville, une ville de, 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 de grandeur, de compétence, de renommée internationale. Avec les grands événements, il a, malgré le déclin, malgré le fait que Montréal n'est plus, plus la métropole financière du Canada, il réussit quand même à donner une très grande visibilité à Montréal euh, et, et faire de Montréal, si elle n'est plus métropole canadienne, elle est tout de même l'une des métropoles euh, dans lesquelles on retrouve une vie culturelle forte, une vie culturelle importante. Montréal est une ville mais il est aussi une ville francophone d'importance. Donc, il, il va donner à Montréal une stature internationale, je pense, qui, qui, euh, qui nous a grandement servi. On a l'impression que tous les maires, par la suite, se comparent à lui. Hein? Il est comme une, un point de comparaison. L'un de trois mères actuels, Denis Coderre, souvent va se, va se, se référer à, à Jean Drapeau. Je pense qu'il se réfère donc à ces grands projets, à cette, ouais. à cette espèce genre là que, que, que Drapeau a créé avec tous ces grands projets-là, euh, qui ne seraient peut-être malheureusement plus possibles aujourd'hui. Mmh. Jean-Charles Barton, merci beaucoup. Merci Eric Bedard. Alors pour en connaître davantage sur Jean Drapeau, il faut lire son, le seul livre qu'il a publié, Jean Drapeau vous parle, un livre à la fin des années 50, publié dans, alors qu'il se projetait sur la scène québécoise. Le livre le plus récent, euh, Le maire qui rêvait sa ville, un livre de Benoît Gignac, qui est un portrait, euh, on pourrait dire, de Jean Drapeau. Et le livre, probablement, qui fait référence, euh, la biographie qui fait référence encore aujourd'hui, même si elle a été publiée en anglais en 80 et en français en 81, est celle de Susan Purcell et Brian McKenna. Euh, donc, très fouillé, Très, très fouillée. Euh, on, ils ont fait des, des entrevues avec beaucoup de gens. C'est très intéressant, très captivant. Ça se trouve dans les bouquineries assez facilement ou à la bibliothèque. Donc, Jean Drapeau. Donc, merci beaucoup.